Originaire de Metz, Jean Millot a partagé sa vie entre Paris et la région de Sète. Avant de se former dans les ateliers de Maurice Denis et de Paul Sérusier, il a été le condisciple du peintre Gabriel Couder à l'École des Beaux-Arts de Montpellier. C'est par l'entremise de son ami, devenu directeur du musée de Sète, qu'il rencontre François Desnoyers. Ce dernier est représenté de dos, dans l'atelier de la maison où il a pris l'habitude de séjourner depuis la fin de la guerre, observant une toile posée sur un chevalet. Physiquement engagé, tête penchée, pinceau en main, boîte de couleurs placée à ses pieds, Desnoyers est saisi en pleine création. Dans cette version définitive, Millot a amputé l'œuvre initiale de sa partie gauche afin de faire disparaître une femme posant nue. Le peintre est désormais le seul modèle, à la fois sujet de peinture et acteur de la peinture. Hommage d'un peintre rendu à un autre, l'œuvre de Millot est aussi un témoignage de l'amitié entre les deux artistes, qui trouvera un prolongement dans les expositions communes au sein du groupe Montpellier 7.